La viande est l'un des éléments les plus fréquemment utilisés dans notre alimentation. Mais sait-on vraiment d'où elle vient et ce qu'on mange ? Dans l'Union européenne, les gens considèrent la viande comme quelque chose qui tombe du ciel. Elle peut traverser 7 ou 8 pays avant d'arriver dans les supermarchés. La viande fait un long voyage, d'un pays à l'autre, parfois d'un continent à l'autre. Au final, qu'y a-t-il dans l'emballage ? Une barquette de viande hachée contient la chair de 150 porcs et d'environ 60 bovins. Nous avons suivi la piste de négociants véreux comme Willy Zelton, l'un des acteurs principaux du scandale de la viande de cheval, et remonté les filières de la fraude. On a déchargé les camions, c'était du cheval. Comment convertit-on de la viande de cheval en produit pur bœuf ? Et comment cette viande finit-elle par se retrouver dans des lasagnes surgelées ? Pour moi, il est clair que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Selon un informateur, le prochain scandale ne serait qu'une question de temps. Il y a sûrement encore en stock quelques milliers de tonnes invendues qui sont au moins contaminées, voire carrément mélangées à de la viande de cheval. Face à ces criminels sans scrupules, les pouvoirs publics sont impuissants. On parle de marge de 1000% ou plus. Ça attire beaucoup de monde. La viande, la plupart d'entre nous en mange tous les jours. C'est un produit de masse, souvent bon marché. En moyenne, un Européen en consomme 66 kilos par an. On en trouve partout et en permanence. Mais sommes-nous capables de retracer l'origine de tous ces rôtis, viande hachée ou côtelettes du rayon frais ? Les supermarchés rassurent le consommateur avec des noms qui fleurent bon la campagne. En Allemagne, l'enseigne de Hard Discount Netto met ainsi en avant la marque Gut von Holz. Son logo, une jolie maison de maître, promesse d'authenticité. Gut von Holz ? Ça fait très sérieux, très campagne en fait. C'est une grosse exploitation agricole, c'est ça ? Ça fait nom de ferme. C'est peut-être que la provenance est plus précise. C'est peut-être un peu comme l'autre marque, là. Genre un domaine agricole où la transformation est faite sur place. Nous avons creusé la question. Sur son site, Netto présente cette marque comme un gage de qualité. Mais impossible de savoir où se trouve ce fameux domaine du Gut von Holz. Alors nous avons posé la question à l'enseigne. Est-il possible d'avoir l'adresse du domaine et de le visiter ? Réponse de Netto. Gut von Holz est une marque maison, une marque de distributeur. Les produits, eux, viennent de différents fournisseurs. Nous avons voulu rencontrer ces fournisseurs. Et surprise, au lieu de fermes bucoliques, nous avons découvert des zones industrielles, comme ces abattoirs situés en Bavière. Ils appartiennent au groupe hollandais Vion, l'un des fleurons de l'industrie charcutière en Europe. Parmi ses clients, les produits Gut von Holz de Netto. On abat ici 12 000 porcs et 3 000 bovins par semaine. Le site est protégé par des barbelés et des caméras de surveillance. Changement de région, même fournisseur. Ces abattoirs situés en Thuringe appartiennent également au groupe Vion. Ils fournissent une autre marque de distributeur, Wilhelm Brandenburg. Nous avons voulu en savoir plus sur le label Wilhelm Brandenburg, que l'enseigne Rewe qualifie de « viande de qualité bouchère ».
Réponse de l'enseigne, la boucherie de qualité Wilhelm Brandenburg est un établissement dont les sites de production se trouvent à Francfort, Dreieck, Netphen et Timmendorfenstrand. Chiffre d'affaires annuel de cette boucherie, plus de 650 millions d'euros. Il ne s'agit pas d'un petit établissement, mais d'une usine. Bilan, les deux marques font tout pour évoquer une réalité qui n'existe pas. Ça n'existe pas alors? Ah d'accord. On se fait avoir. C'est une arnaque. On se fiche de nous. Je ne trouve pas ça correct. Les discounters se font beaucoup d'argent avec ça. Ils se servent dans notre poche et en plus ils nous mentent. Ça ne me surprend pas. C'est pour ça que je ne mange plus de viande. Ça montre que très souvent, ce qui est marqué sur l'étiquette n'est pas vrai. Le phénomène ne se limite pas à l'Allemagne. En France, Aldi commercialise des produits sous l'étiquette Boucherie Saint-Clément. Le nom évoque un établissement artisanal, mais la viande de porc vient en partie d'un grand abattoir allemand. En réalité, le nom d'une marque, même quand il sonne bien, ne dit rien de la provenance de la viande. Or, que dit la loi en matière d'étiquetage? En fait, tout dépend de l'animal. Selon la réglementation européenne, toutes les viandes ne se valent pas. Depuis la crise de la vache folle, la viande de bœuf cru doit porter une étiquette mentionnant le pays de naissance, d'engraissement, d'abattage et de découpe. Pour les porcs et la volaille, l'indication de la provenance n'était pas obligatoire. Au 1er avril 2015, tout devrait changer. L'étiquette devra alors mentionner le pays d'élevage et d'abattage des animaux. Cette décision a été prise à Bruxelles. Ces directives valent pour tous les pays de l'Union européenne. Nous voici dans la capitale de l'Europe, siège de la Commission européenne. Cette dernière fixe la règle en matière d'étiquetage de produits alimentaires. Les États membres sont ensuite responsables de l'application des lois votées ici. Monique Goyens est directrice générale du BEUC, le Bureau européen des unions de consommateurs. Cette fédération milite pour une transparence accrue des circuits de la viande, trop opaque du fait de la multiplication des étapes de fabrication. On peut prendre l'exemple d'un porc né en Belgique, puisque nous avons beaucoup d'élevage en Belgique. Il va ensuite être engraissé en Italie et peut-être aussi abattu là-bas. Mais après ça, on va le transporter en Pologne pour qu'il soit transformé. Et enfin l'expédier, mettons, au Danemark ou en Grande-Bretagne, où il sera vendu. Et il y a parfois encore d'autres étapes intermédiaires, si bien que la viande peut traverser 7 ou 8 pays avant d'arriver dans les supermarchés. Les porcelets naissent sur une exploitation donnée. Quelques semaines plus tard, on les transfère sur un site d'engraissement, souvent situé dans un autre pays. Puis, au bout de 6 mois, on les envoie à l'abattoir. De la naissance au supermarché, la filière porcine compte au minimum 4 étapes. Le consommateur est-il informé du parcours du produit qu'il achète? Nous avons voulu le vérifier à Leipzig, dans les enseignes d'Aldi Nord et de Lidl. Aldi commercialise la marque Bauerngluck et Lidl la marque Landjunker. On sait déjà qu'il ne faut pas se fier au nom écrit sur l'emballage. Mais qu'en est-il de l'indication de provenance obligatoire? L'établissement de transformation doit toujours être indiqué. Mais peut-on retracer tout l'itinéraire suivi par les produits de ces deux marques? L'étiquetage obligatoire ne permet pas de remonter au-delà du lieu d'abattage ou de découpe. En Allemagne, Lidl et Aldi proposent à leurs clients de flasher l'étiquette pour vérifier la provenance des barquettes. On peut télécharger gratuitement l'application sur son smartphone. Nous l'avons testée. Résultat, les 500 grammes de viande hachée de Lidl proviennent de 8 régions d'Allemagne. Même chose pour la viande hachée d'Aldi Nord. 500 grammes, 8 régions. Si le contenu d'une seule barquette provient de 8 sites différents, elle doit contenir les morceaux de dizaines de porcs et de bœufs. Mais combien exactement? Nous avons posé la question aux deux enseignes. Aldi nous a renvoyé à ses fournisseurs. Lidl nous a confié qu'il était très difficile de répondre à la question. Un même nom revient dans la liste des fournisseurs de viande hachée des deux enseignes.
le site de transformation de Reda Wiedenbrück. Nous nous rendons sur place. C'est le plus grand abattoir porcin d'Allemagne. On abat ici environ 25 000 bêtes chaque jour. Le site fournit aussi la filiale française d'Aldi. À leur arrivée, tous les cochons portent un numéro d'identification sur l'oreille. Ils viennent d'un rayon de 150 km. Beaucoup de sous-traitants, pour la plupart de grandes stations d'engraissement, ont acheté les bêtes à l'état de porcelet. L'abattoir ne vérifie pas leur provenance. Ici, nous entendons un terme que nous allons constamment rencontrer au cours de notre enquête. L'autosurveillance. Chaque opérateur de la chaîne d'approvisionnement est tenu de pratiquer l'autosurveillance. À leur arrivée, les bêtes sont placées dans une porcherie d'attente pour évacuer le stress du transport. Il faut éviter le stress. C'est important pour le bien-être des animaux. Mais le stress a aussi des effets négatifs sur la qualité de la viande. Quand le porc est stressé avant l'abattage, ça nuit à ses qualités gustatives. Et ça a aussi un impact sur la durée de conservation du produit. On diffuse de la musique pour apaiser les cochons. Au bout de quelques heures, dans l'air d'attente, les bêtes sont étourdies au dioxyde de carbone avant d'être abattues. Étape suivante. Les animaux sont morts depuis environ 20 minutes. Nous remarquons un changement. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur tatouage auriculaire. Juste après l'abattage, chaque bête reçoit un nouveau numéro d'identification. La chaîne d'abattage passe environ 1400 porcs à l'heure. Chaque animal est filmé. Les demi-carcasses vont reposer 18 heures en chambre froide. À ce moment-là, les bêtes sont toujours identifiables. Joseph Trilling, le directeur qualité de l'établissement, nous explique le système de suivi qui permet de remonter jusqu'au lieu d'engraissement de chaque animal. Le lieu de naissance, en revanche, n'est pas du ressort des abattoirs et des usines de transformation. Toute entreprise d'engraissement possède un numéro d'identification, un numéro d'enregistrement de traçabilité du bétail. Et on le retrouve tatoué en partie sur chaque porc. On a ici SO pour Zost et le numéro de l'entreprise. Ce numéro permet de savoir de quel élevage vient ce porc. Nous enregistrons ce numéro dans notre base de données avec le code d'abattage et celui du crochet. Tous les crochets contiennent une puce à laquelle est attribué un numéro de série. Et ces trois numéros nous permettent d'identifier les bêtes de chaque exploitant ici dans la chambre des demi-carcasses. À l'abattoir, on trie les bêtes non pas en fonction de leur provenance, mais en fonction de leur qualité. On va ainsi créer des lots destinés, par exemple, à la production de viande hachée. Lors de la découpe, le système lit l'information délivrée par la puce du crochet. À partir de là, les porcs ne sont plus identifiables. On scie les demi-carcasses en trois morceaux. Chacun d'eux va être séparé, transformé et réuni en lot avec des centaines d'autres morceaux. La cuisse va devenir un jambon, les côtes des côtelettes. L'animal se perd dans le système. La traçabilité est désormais impossible. Ce morceau, par exemple, on peut encore délimiter sa zone de provenance, mais impossible d'identifier un site en particulier. Ces épaules de porc sont destinées à la production de viande hachée. Au bout de la ligne de fabrication, un mélangeur assemble la viande de porc avec de la viande de bœuf issue des abattoirs bovins de l'usine, selon les exigences des enseignes. Une mêlée, l'unité de gestion de base, donne 4000 paquets de viande hachée pour Aldi et Lidl.
Les étiquettes flashées nous ont indiqué 8 régions. Il s'agit non pas des sites d'engraissement, mais des abattoirs. 7 pour le bœuf et 1 pour la viande de porc, celui de Reda Wiedenbrück. Mais les sites d'origine des animaux ne sont pas indiqués. Et pour cause, ils sont trop nombreux. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'animaux entrent dans la composition d'une barquette de viande hachée ? Oui, je peux vous répondre précisément. Chaque barquette de viande hachée provient d'une mêlée. Et une mêlée, c'est 2 tonnes. Pour les produire, on a utilisé la viande d'environ 150 porcs et 60 bovins. Pour le consommateur, donc, impossible de connaître la provenance des animaux. Dans les lots, la traçabilité individuelle n'existe pas. On ne pourrait pas mettre la photo d'un seul animal sur une barquette. C'est impossible du fait des quantités à transformer. Si je prélève, par exemple, sur un animal 8 kg destinés à la production de viande hachée, ça veut dire que ces 8 kg deviennent l'unité de base. C'est une unité beaucoup trop petite. Économiquement, ce n'est pas viable. Résumons-nous, quand les volumes sont énormes, il est impossible d'indiquer exactement la provenance de la viande. C'est le prix à payer, car la production de masse réduit le coût de la viande. Un argument imparable. Chaque jour, 500 tonnes de viande transformée quittent le site de Reda Wiedenbrück pour alimenter les hard discount en Allemagne et dans le reste de l'Europe. La viande commercialisée en France par Aldi sous le nom de Boucherie Saint-Clément vient aussi de l'usine Tenise. Mais alors, qu'en est-il à plus petite échelle dans les boucheries de quartier ? Les artisans produisent-ils eux-mêmes leur viande ? Nous avons rencontré une ancienne négociante en viande. Elle connaît bien la filière. Elle a travaillé pendant de nombreuses années pour le compte de différentes sociétés. Selon elle, le client de la boucherie de quartier a peu de prise sur le circuit de la viande. L'indication « fabrication maison » ne veut rien dire. D'après notre informatrice, les produits viennent souvent de grossistes qui fournissent aussi le hard discount. La charcuterie est achetée en gros, la viande aussi, et jusqu'à 80% des produits de l'étal. On rebaptise ça « saucisse du boucher » et on le fait passer pour une fabrication maison, alors que ça vient souvent de grands abattoirs et de gros centres de transformation. On change juste l'étiquette et on le met sur l'étal. On ne peut pas toujours se fier à l'indication d'origine ou à une mention « fabrication maison ». Dans un système de production de masse, ces indications précises sont impossibles. Et légalement, elles ne sont pas obligatoires. C'est ce que critique Reinhild Benning, du Bund, une ONG environnementale allemande. Le consommateur n'a aucune idée de la provenance de sa viande. Il ne peut pas davantage identifier l'élevage d'où provient l'animal. Il est donc pratiquement impossible d'acheter un produit en connaissance de cause. C'est cette tromperie légale qui fait que les consommateurs choisissent le produit le moins cher, parce qu'ils n'ont pas les moyens de connaître la qualité de ce qu'ils achètent. Dès qu'on permettra aux consommateurs de faire la différence dans les rayons des supermarchés entre la viande issue d'élevage industriel et celle provenant d'élevages paysans respectueux des animaux, les marchés évolueront en fonction de la demande. Que savent les enseignes du lieu de naissance ou d'élevage des animaux ? Nous n'avons obtenu aucune réponse précise à ce sujet. Peut-on se fier à l'indication « viande allemande » ou « viande d'origine française » indiquée sur l'étiquette ? Pas toujours. Exemple, Lidl vend de la viande dite de qualité allemande. À la suite de notre demande de renseignement, nous avons appris que près d'un tiers de la viande de porc hachée que nous avions achetée provenait d'animaux nés à l'étranger. Dans la barquette d'échine de porc, l'une des bêtes du lot n'est pas née en Allemagne. La mention indiquée sur l'étiquette est donc trompeuse, mais c'est tout à fait autorisé. Jusqu'au 1er avril 2015, à la différence du bœuf, un porc n'aura pas besoin d'être né en Allemagne ou en France pour être qualifié d'allemand ou de français. Pourtant, selon Monique Goyens, les consommateurs veulent être informés de la totalité du parcours suivi par un animal.
Nous avons mené des enquêtes dans différents pays d'Europe et ces études ont clairement montré que le consommateur voulait savoir d'où provenait la viande. Il veut connaître le lieu de naissance de l'animal, le lieu d'engraissement et d'abattage. Il y a différentes raisons à cela. Mais l'une de ces raisons, c'est qu'il veut connaître le circuit emprunté par le produit qu'il achète. Alors pourquoi les étiquettes ne sont-elles pas plus précises ? La commission Barroso avait refusé une proposition de loi visant à mieux informer le consommateur, qui prévoyait notamment d'indiquer le lieu de naissance des porcs et de la volaille. Trop cher, c'est le verdict d'une étude de 2013. Frédéric Vincent était le porte-parole du commissaire chargé de la santé et des consommateurs, dont le mandat s'est terminé en novembre 2014. Il peut nous expliquer pourquoi la commission a rejeté cette motion. Principal argument, des indications obligatoires augmenteraient considérablement le prix de la viande. Si les animaux étaient nés et avaient été élevés et abattus dans un même pays, on pourrait l'indiquer sur l'étiquette. Mais pour des animaux dont la durée de vie est courte, quand on a une volaille née en Pologne, élevée en Hongrie et abattue en Allemagne, est-ce qu'on a besoin de mettre ces trois pays sur l'étiquette ? Non, on va en indiquer un seul. Ce serait trop compliqué et trop cher de tout indiquer. Réponse des associations de consommateurs. Pour les clients, le surcoût serait indolore. L'argument du coût additionnel de l'étiquetage a été contredit par une étude que nous avons menée. Si on prend l'exemple d'une barquette de lasagne, le surcoût serait de 1,5 cent. Ce n'est pas de nature à rebuter le consommateur. Mais si on veut indiquer la provenance de la viande, il faut améliorer sa traçabilité. Et c'est ça le cœur du débat. L'industrie ne veut pas payer pour ça. Dans ce cas, poursuit Monique Goyens, l'industrie devrait garantir que les informations sont exactes et sont portées garantes. Selon les associations de consommateurs, le rejet de la motion est dû au travail de lobbying des grands groupes et des syndicats de l'agroalimentaire. Ils ont réussi à imposer leurs arguments. À Berlin, nous avons rendez-vous avec la Fédération allemande des détaillants de produits alimentaires. Nous voulons savoir ce qui empêche de mentionner clairement la provenance de la viande de porc sur l'emballage. La Fédération représente les intérêts des grands groupes de la filière. Pour Christian Butcher, son responsable de la communication, indiquer la provenance exacte des produits, c'est risquer de se retrouver avec des emballages aux notices interminables, surtout pour les produits transformés. Mais il a aussi un autre argument en réserve. Mentionner des informations supplémentaires sur la provenance implique des coûts supplémentaires. À partir de là, la question est de savoir si la chaîne d'approvisionnement peut absorber ce surcoût ou s'il faut le reporter sur le consommateur. Si le consommateur dit « je trouve ça bien, mais je ne suis pas prêt à payer pour avoir cette information », on se trouve face à un dilemme qu'il faut résoudre. Un surcoût dont aucun consommateur ne voudrait. C'est manifestement l'argument massu de la filière. Pour Foodwatch, c'est un prétexte. Matthias Wolfschmidt est expert pour l'ONG de défense des consommateurs. Il pense que l'objectif de l'industrie est surtout de préserver sa flexibilité. Dans l'Union européenne, les gens considèrent la viande comme quelque chose qui tombe du ciel. Ça va dans le sens des intérêts de l'industrie alimentaire, parce qu'elle veut avoir les mains libres sur les marchés, le marché de la viande en particulier, et ne pas avoir à indiquer aux consommateurs d'où vient la viande utilisée pour chaque lot produit. Ce qui compte, ce sont les intérêts de l'industrie de transformation, pas ceux des consommateurs, qui vont dans le sens d'une plus grande transparence. La filière viande dépend de sa capacité à opérer sur les marchés internationaux. On achète en fonction du cours et de la demande. À Berlin, nous rencontrons un grossiste en viande. Norbert Kunz est dans le métier depuis 30 ans.
Les commerçants comme lui doivent être flexibles. Ils achètent dans le monde entier. Car le marché de la viande est depuis longtemps un marché global. Quand quelqu'un a envie d'un steak argentin, d'un produit américain ou encore d'agneau néo-zélandais, ça ne peut pas provenir d'Allemagne. Sur le territoire allemand, nous avons environ 4000 clients et on voit passer entre 900 et 1000 tonnes de viande et de charcuterie par mois. Norbert Kunz n'achète que des produits dignes de confiance, dont il connaît la provenance. Nous n'avons que des produits conformes aux normes européennes. Les produits qui viennent d'Amérique ont été contrôlés. Nous avons un importateur qui les fait venir en Allemagne, ensuite le produit nous est livré et on le distribue avec notre garantie. Revoilà l'autosurveillance. Le grossiste garantit son produit et part du principe que son fournisseur fait de même. Mais que se passe-t-il quand un maillon de la chaîne manque à ses obligations? C'est ce qu'a illustré le scandale de la viande de cheval en 2013. C'est criminel, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y en a qui ont dû se faire du souci. Nous, ça ne nous a pas causé de problème majeur, mais je connais des entreprises qui ont eu de sérieux ennuis à cause de ça. L'un de ces entrepreneurs a accepté de nous parler à visage couvert. Son entreprise a acheté et transformé, sans le savoir, de la viande de cheval. Résultat, 1 million de pertes en créances de recours. L'entreprise a perdu de gros clients. Notre informateur ne croit plus en la fiabilité du système. Nous l'avons expérimenté à nos dépens. Nous avons fait confiance au système et en retour, nous avons été punis par des pertes catastrophiques. On faisait confiance au système, nous aussi. La bombe explose en janvier 2013. En Irlande et en Angleterre, on découvre de la viande de cheval dans des hamburgers certifiés pur bœuf. Très vite, le scandale fait tache d'huile pour devenir l'une des plus grandes affaires de fraude de l'histoire de la filière viande. Dans toute l'Europe, on découvre de la viande de cheval dans des préparations alimentaires qui ne devraient pas en contenir. Beaucoup d'entreprises sont contraintes de retirer leurs produits du marché. En France, la société Spanghero est au cœur de l'affaire. Le scandale porte sur 550 tonnes de viande de cheval frauduleusement étiquetée bœuf et vendue comme telle à Comigel, apparemment à son insu. L'entreprise de transformation distribue ses plats préparés dans les supermarchés de toute l'Europe. Le minerai de cheval provenait de Roumanie. Les enquêtes seraient encore en cours. Retour en janvier 2013. Nous sommes à Berlin, à l'Office fédéral pour la protection du consommateur et la sécurité alimentaire. Une cellule de crise vient d'être mise en place. Les experts tentent de comprendre comment cette viande de cheval a pu se retrouver dans le circuit alimentaire. Ils savent que dans le drame qui s'est joué, Spanghero n'est qu'un second rôle. Il y a quelque part de plus gros poissons. Leur enquête met au jour une chaîne d'approvisionnement tentaculaire aux ramifications opaques. La multiplication des intermédiaires empêche de remonter tout le circuit. Mais les experts vont tout de même parvenir à leur fin. À partir des premiers produits identifiés en Irlande, ils reconstituent un immense réseau de fournisseurs qui s'étend à travers toute l'Europe et implique des négociants, des usines de transformation, des fabricants et des chaînes de distribution. Voici le circuit de la viande. Il s'avère qu'une seule société néerlandaise a fourni 50 000 tonnes de viande de cheval à des entreprises de transformation basées dans toute l'Europe. 2 ans plus tard, les experts estiment avoir répondu à de nombreuses questions. Mais il reste des zones d'ombre. Ce scandale a mis en lumière la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement face aux malversations. La chaîne est très ramifiée et quand un système possède de nombreux points de relais, on a beaucoup d'acteurs. De facto, le risque est plus élevé que lorsqu'il n'y a qu'un seul acteur. Deuxièmement, les sommes en jeu sont énormes et ne font qu'augmenter. Pour moi, il est clair que ce scandale est seulement la partie émergée de l'iceberg. Et il y a plus que jamais des raisons de craindre que ce genre de choses se reproduisent. L'enquête le prouve. Un seul négociant hollandais a fourni 50 000 tonnes de viande frauduleuse.
On reproche notamment à Willie Zelton d'avoir mélangé de la viande de cheval et du bœuf sans l'indiquer. Nous avons voulu savoir comment fonctionnait ce système. Nous sommes à Oss, dans le sud des Pays-Bas. C'est dans cette zone industrielle d'apparence banale que se trouvait le siège de la société de Willie Zelton. À partir d'ici, il livrait quelques 500 entreprises dans divers pays d'Europe. Nous avons rendez-vous avec Michel Hall. Il est conseiller de la Confédération syndicale des Pays-Bas. L'usine a fermé, le site est aujourd'hui abandonné. Michel Hall s'est occupé des salariés qui ont perdu leur emploi quand Willie Zelton a mis la clé sous la porte. Les ouvriers, souvent d'origine polonaise, travaillaient dans des conditions déplorables. Ils ont raconté à Michel les pratiques peu orthodoxes de l'usine. Ils devaient redécouper de la viande décongelée et la réétiqueter. Elle était ensuite vendue comme de la viande fraîche, de la viande bio en plus. Mais quand on décongèle de la viande qui est restée longtemps surgelée, elle se met à pourrir très vite. Elle devient verte quasi instantanément. Alors ils retiraient les parties vertes, puis ils la remballaient et la réétiquetaient. Donc ils savaient ce qu'ils faisaient ? Oui, ils étaient au courant, bien sûr. Ce n'est pas tout. Les ouvriers traitaient aussi de la viande de cheval, et en grande quantité. Ils nous ont dit que deux fois par semaine, des camions avec des plaques d'immatriculation anglaise et allemande arrivaient sur le site. Ils devaient décharger ces camions qui transportaient des chevaux. Il y en avait 20 à 50 par camion. Willie Zelton n'a donné qu'une seule interview. Il nie tout en bloc. Tout ce ramdam, pourquoi ? Peut-être un seul cheval. Pour Michel Hall, c'est une mauvaise plaisanterie. Un ancien ouvrier polonais confirme sa version des faits. On a collé des étiquettes qui disaient bœuf sur de la viande de cheval. Il n'y avait pas d'autres étiquettes d'ailleurs. Mais alors, pourquoi aucun d'eux n'a parlé ? En fait, les employés étaient complètement dépendants de l'entreprise. Un système parfaitement huilé. Si tu parlais, tu perdais non seulement ton emploi, mais aussi ton logement, ta sécurité sociale et ton billet de retour pour la Pologne. C'est tout simple. Mais comment a-t-on pu faire passer tant de chevaux pour du bœuf ? Et d'où venaient ces chevaux ? Nous avons posé la question à Simone Timmer, une journaliste néerlandaise qui a enquêté sur le sujet. Réponse : les chevaux provenaient d'Irlande. Là-bas, les bêtes s'achetaient pour presque rien. Une aubaine pour les trafiquants. Du fait de la crise, beaucoup de gens ont dû renoncer à garder leurs animaux, surtout en Irlande, un pays qui compte énormément de chevaux. Là-bas, on vendait des bêtes aux abattoirs pour de toutes petites sommes. Certains les abandonnaient même. On pouvait trouver beaucoup de chevaux errants dans le pays. Un gang criminel s'est emparé de toutes ces bêtes et les a convoyées par bateau en Angleterre, dans un abattoir chevalin, le Red Lion. Selon les experts, jusqu'à 70 000 chevaux ont ainsi disparu. La combine était bien rodée. Les trafiquants équipaient les bêtes de fausses puces. Certains chevaux avaient été soignés au phénylbutazone, un antidouleur. Dans l'Union européenne, aucun cheval ayant absorbé ce médicament ne doit se retrouver dans la filière bouchère. Les fraudeurs ont simplement falsifié le passeport des chevaux, qui doit notamment indiquer les traitements médicaux suivis. Les bêtes pouvaient alors être abattues et les fraudeurs faisaient un confortable bénéfice.
Au départ, ces chevaux n'avaient aucune valeur marchande. Mais grâce aux documents falsifiés, ils valaient soudain 500 kilos de viande. Et ensuite, s'ils étaient revendus comme viande de bœuf, leur valeur augmentait considérablement. C'était une bonne combine. Les chevaux, munis de fausses puces et de faux passeports, transitaient ensuite d'Irlande en Angleterre. Leur destination, un abattoir chevalin, le Red Lion. L'abattoir est aujourd'hui fermé. Cette vidéo y a fortement contribué. Fin 2012, une association de protection des animaux a caché des caméras dans l'abattoir pour filmer les mauvais traitements infligés aux animaux. L'association ne s'est pas arrêtée là. Elle a dissimulé des émetteurs sur les camions qui quittaient l'abattoir pour suivre la piste de la viande de cheval à travers toute l'Europe. Les transporteurs ont aussi livré la viande aux Pays-Bas, dans l'usine de Willy Zelton. C'est la preuve que l'entreprise traitait de la viande chevaline. De la zone industrielle d'Oss, la viande a été livrée dans toute l'Europe, avec des étiquettes frauduleuses. Ces dernières années, on a sévèrement taillé dans les effectifs de nos services d'inspection sanitaire. Avec la récession, on a licencié énormément de gens. Du coup, tout le système s'est un peu effondré et plus personne n'allait contrôler les usines. Parfois, on envoyait simplement des étudiants. Certains sont même allés sur le site de Willy Zelton et ils ont vu les carcasses de cheval pendues à des crochets. Mais les ouvriers leur ont dit « Non, non, c'est juste une race particulière de vaches. » Et ils ont gobé ça. C'est complètement idiot. Comment peut-on vendre frauduleusement la viande de 70 000 chevaux sans que personne ne s'en aperçoive ? Comment la viande est-elle contrôlée à l'intérieur des frontières européennes ? Nous rencontrons un détective spécialiste de l'intelligence économique. Pour le compte d'industriels du secteur, il étudie les flots de marchandises en Europe et met au jour des réseaux de trafiquants. Sa tâche n'est pas facile. Avec la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, il n'y a plus de contrôle sanitaire aux frontières. On a supprimé les inspecteurs des services vétérinaires qui étaient postés aux frontières de chaque pays européen et contrôlaient pratiquement tous les chargements. Ça veut dire qu'il n'y a plus de médecins conseils. Plus d'agents publics pour immobiliser un camion frigorifique, mettons à la frontière entre la France et l'Allemagne, et examiner ce qu'il transporte pour voir si c'est légal. Les contrôles sont rares, mais ils subsistent néanmoins. Alors les trafiquants ont trouvé la parade. Une ruse vieille comme le monde. Quand il s'agit de transport international, par exemple vers l'Irlande, vers l'Angleterre ou depuis l'Angleterre vers le continent, on fait ce qu'on appelle des chargements de couverture. C'est-à-dire que sur le premier mètre de la remorque, côté haillon, on va charger de la viande bovine et derrière, c'est rempli de viande de cheval. 500 entreprises ont ainsi reçu de la viande de cheval à la place de viande bovine. 50 000 tonnes ont été rappelées. Les autorités néerlandaises n'ont pu en saisir que 5%. Tout n'a pas encore été consommé. Notre informateur est convaincu que des milliers de tonnes sont encore stockées dans des entrepôts frigorifiques. La viande de bœuf se conserve plusieurs années. Et on peut prolonger sa durée de vie d'un an ou un an et demi après la date de péremption si elle rentre dans les critères biologiques et microbiologiques. Il y a sûrement encore en stock quelques milliers de tonnes invendues qui sont au moins contaminées, voire carrément mélangées à de la viande de cheval. Pour notre informateur, le prochain scandale alimentaire éclatera avant 2 ans. En cause, un manque de transparence qui provient du fait qu'on produit plus qu'on ne consomme. Cela a un effet négatif dans le sens où les quantités produites de façon saisonnière ne peuvent pas s'écouler ou être transformées assez vite.
verarbeitet werden können. Da springen dann wieder. Certains négociants en profitent pour constituer des stocks. Et quand le marché revient à la normale, ils remettent les produits en circulation. Donc, malgré la concentration de la filière, le circuit de la viande est devenu plutôt complexe. Les escrocs mettent à profit ces chaînes d'approvisionnement complexes. Le procès de Willy Zelton va s'ouvrir au printemps 2015 aux Pays-Bas, 2 ans après le scandale. Les autorités françaises et britanniques, que nous avons contactées, n'ont pas donné d'informations sur l'enquête en cours. En Allemagne, le scandale de la viande de cheval a aussi donné lieu à des enquêtes. Mais à chaque fois, le parquet d'Oldenburg a dû abandonner les poursuites. Il était impossible de prouver la complicité des entreprises incriminées. Dans le domaine de la fraude alimentaire, il est effectivement difficile de prouver que la viande ne respectait pas la réglementation. Cette difficulté vient de la nature même du produit. La viande ne reste pas longtemps stockée et souvent, elle a disparu quand les enquêteurs arrivent sur place. De surcroît, il est difficile de prouver que les personnes responsables savaient que leur produit n'était pas en règle. Pour les personnes lésées par ces fraudes, l'impuissance de la justice est difficile à accepter. Ce qui est fâcheux et choquant là-dedans pour les victimes innocentes de ce genre de malversation, c'est que des gens comme M. Zelton ou sa société savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont volontairement violé la loi. Et malgré tout, ils ont réussi à rebondir. Certes, leurs entreprises ont fermé, mais ils se sont débrouillés pour s'en sortir. Alors que les petites structures, les entreprises qui se sont retrouvées impliquées alors qu'elles étaient de bonne foi, elles ont fait faillite. C'est ce qui laisse un goût amer dans cette histoire. Nous serions donc à 2 doigts d'un nouveau scandale. Et de la viande de cheval serait encore en circulation dans des préparations alimentaires. Des lycéens de Bochum l'ont prouvé. Florian Schaller est professeur de biologie. En cours, ses élèves pratiquent des tests ADN sur des préparations alimentaires, comme ces bâtonnets de poisson surgelés. D'abord, on doit préparer l'ADN. On doit l'isoler, en fait. Et après, on doit montrer s'il y a bien du saumon ou du cabillaud dans les bâtonnets de poisson. C'est ce type de test qu'une autre classe a effectué dans 3 kebabs de la région, 10 mois après le scandale de la viande de cheval. Les élèves ont trouvé de l'ADN de cheval dans les cônes de viande de l'un d'eux. Oui, on a été surpris. Parce qu'il y avait eu le scandale juste avant et le producteur avait changé. Et pourtant, il y avait encore du cheval dans la viande. Ces travaux pratiques en laboratoire comptent dans la moyenne des lycéens. Avec un équipement adéquat et des directives claires, c'est un jeu d'enfant. La méthodologie en elle-même est assez simple. Les élèves peuvent la mettre en pratique et la comprendre, d'autant plus que la théorie est abordée en cours. Pourquoi cette viande de cheval est-elle encore en circulation? Selon notre informateur, la filière n'est soumise qu'à des contrôles aléatoires. C'est uniquement pour se rassurer. On ne peut tester qu'une infime partie d'une livraison, qui, elle, va être négative au contrôle, et dans ce cas, tout va bien. Mais ça n'empêche pas que toute une palette du même chargement peut éventuellement être positive, c'est-à-dire contenir de l'ADN de viande de cheval. Mais pour la filière, il est impensable d'envisager de tout contrôler. Imaginez qu'on teste la moindre barquette de lasagne. Il n'y aurait plus rien dans les rayons des supermarchés. Tout serait dans des laboratoires pour être analysé. On ne peut pas se le permettre. Alors, pour découvrir les fraudes, on a parfois besoin d'un lanceur d'alerte.
comme Miroslav Strecker. En 2007, il a révélé un vaste trafic de viande avariée en Allemagne. Cet ancien chauffeur de poids lourd a été témoin d'une escroquerie caractérisée. Il ne regrette pas de l'avoir dénoncé, même s'il en a subi les conséquences. Non, je ne regrette pas. Et si ça se reproduisait, je n'hésiterais pas à le refaire. Juillet 2007, Miroslav Strecker part de Hambourg au volant de son camion en direction de Wertingen, en Bavière. À bord du semi-remorque, plus de 11 tonnes de viande. C'était de la viande de catégorie 3, c'est-à-dire en l'occurrence des produits impropres à la consommation humaine. Il y avait entre autres des morceaux de viande de porc, d'autres types de viande, mais aussi du foie de mouton de Nouvelle-Zélande, qui était encore dans son emballage d'origine. Et d'après l'étiquette, la date de péremption était dépassée depuis 4 ans. Miroslav arrive à destination, une usine de transformation de viande. Il est étonné, ça ne cadre pas avec les déchets d'abattoir qu'il transporte. Le comportement du patron éveille aussi ses soupçons. Au moment de décharger, j'ai dû me placer non pas de manière à faciliter le déchargement, mais pour que du dehors, on puisse voir le moins possible le contenu du camion. Le patron arrache les étiquettes indiquant la catégorie de la viande et les fait disparaître. Miroslav en est maintenant convaincu. Quelque chose cloche. Il appelle la police. Elle ne se considère pas compétente et lui dit de s'adresser à la Chambre de l'Industrie et du Commerce, laquelle le renvoie à son tour vers les services de l'inspection du travail. Miroslav Strecker transportait la viande pour le compte d'une société belge. Sur le territoire allemand, seules les entreprises agréées peuvent négocier entre elles des déchets d'abattoir. Cette règle ne s'applique pas aux structures étrangères. C'est la faille exploitée par les fraudeurs. Exemple. Une société berlinoise vend de la viande de catégorie 3 au Schleswig-Holstein. De là, elle est transportée vers une usine belge, du moins sur le papier. Car en réalité, la viande ne quitte à aucun moment le territoire allemand. Elle est vendue à Wertingen et revient ensuite à Berlin. Ce montage frauduleux et la viande avariée sont toujours d'actualité. C'est possible. Et les scandales de la viande avariée qui ont éclaté en Allemagne ces dernières années l'ont bien montré. Il n'est pas exclu que par le biais de ces sous-produits d'abattoir ou déchets d'abattoir, on puisse assez facilement introduire des substances carnées extrêmement bon marché dans la chaîne de production alimentaire. Le patron de l'usine de Wertingen était connu des services de répression des fraudes. Wolfgang L. avait été condamné quelques années plus tôt pour une fraude aux subventions. Il a été arrêté à la suite d'une perquisition. L'enquête a prouvé que pendant des années, cette viande impropre à la consommation avait été vendue à des producteurs de kebabs berlinois. En tout, l'affaire porte sur 180 tonnes. Cette fois, le procès a bien eu lieu. Mais la chambre compétente était surchargée. Il s'est écoulé 4 ans avant le procès. Au final, le gérant a été condamné à une peine de prison. 2 co-accusés s'en sont tirés avec un sursis. Le patron de la société a bénéficié d'une remise de peine de 3 mois pour avoir dû attendre 4 ans avant d'être jugé. Deux ans de réclusion pour une fraude. Les enquêteurs n'ont pas pu prouver que cette viande non comestible avait occasionné des dommages corporels. Sinon, la peine aurait été plus lourde. Le problème du parquet, à Oldenburg et ailleurs, c'est la lenteur des processus administratifs et judiciaires. La viande avariée est souvent déjà dans le commerce et parfois même consommée quand nous commençons à enquêter. Nous avons toujours un temps de retard. C'est un vrai problème. Direction Wertingen, en Bavière. Nous savons de sources sûres que le négociant en viande habite toujours sur place. L'usine est aujourd'hui à l'abandon. L'ex-patron a purgé sa peine et on lui a retiré sa licence professionnelle.
Il accepte de nous parler au téléphone. Il considère sa fraude comme une erreur. Aujourd'hui, il dit s'être retiré. Aujourd'hui, je suis retiré des affaires. Je suis un retraité. Le fait est que, malgré l'interdiction d'exercer son activité, un condamné peut facilement continuer à travailler dans la filière. En comparaison, le destin de Miroslav Strecker paraît bien injuste. Il a bien été décoré par le ministère de l'Agriculture allemand, mais il a perdu son emploi. J'ai été licencié au motif que l'entreprise de transport perdait des contrats tant que je travaillais pour elle. Plusieurs clients ne voulaient plus que je mette les pieds chez eux. Aujourd'hui, Miroslav Strecker est chauffeur de bus. Il ne veut plus travailler pour la filière de la viande. On parle de marge de 1000% ou plus. Et ça attire beaucoup de monde. L'argent. Tout ce qui compte, c'est de faire des bénéfices. Une arnaque juteuse qui rapporte beaucoup et pendant plusieurs années. C'est le dénominateur commun de beaucoup de scandales autour de la viande. Comment de telles malversations peuvent-elles échapper au contrôle des autorités? Pour Foodwatch, c'est clair. En Allemagne, mais aussi en France, les pouvoirs publics ne travaillent pas dans la transparence, d'où un cruel manque d'information de la population. C'est ce qu'on observe dans un système fédéral comme l'Allemagne, avec plus de 400 autorités compétentes sur tout le territoire. Mais c'est aussi le cas dans un système centralisé comme la France, où les autorités ne travaillent pas de façon plus transparente. Le public, les consommateurs français, ne savent pratiquement rien de ce que trouvent les autorités sanitaires quand elles effectuent des contrôles. Nous avons voulu savoir comment la viande était contrôlée en Allemagne. Manfred Brehm est agent des services vétérinaires au niveau du Land. Il effectue aujourd'hui un contrôle de routine dans un atelier de découpe de l'Allgäu. Il vient ainsi une fois par trimestre inspecter le stock et la production. En parallèle, les vétérinaires locaux procèdent aussi à des contrôles. Manfred Brehm veille principalement au respect des règles d'hygiène et des indications d'origine. Je contrôle les étiquettes et différents morceaux de viande par sondage pour voir si je remarque quelque chose de particulier. Cet atelier ne traite que de la viande de bœuf. On va regarder par exemple l'étiquette de ce morceau. Elle indique la provenance de la viande. Elle vient d'une bête née en Allemagne. Élevé en Allemagne, abattu en Allemagne. On a les 3D pour Deutschland. Et elle est aussi découpée en Allemagne. Et vous vous fiez à ce que dit l'étiquette? En l'occurrence, oui. L'atelier de découpe se contrôle lui-même et se fie à la parole de son fournisseur. Toujours ce principe d'autosurveillance. La seule obligation des entreprises, c'est de tenir à jour un système de traçabilité de leur propre activité. Comme le veut la procédure, Manfred Brehm procède à des contrôles aléatoires. Quand une étiquette incomplète attire son attention, il effectue des tests. Mais aujourd'hui, ce qu'il voit lui donne toute satisfaction. L'abattage a manifestement été soigné. Certains endroits sont critiques et assez délicats, comme ici, au creux de l'épaule. Il arrive qu'il y ait des résidus d'abattage, mais elles ont l'air parfaites. Ici, pas de test ADN pour vérifier l'espèce des animaux. L'abattoir est à côté, il y a peu de chances de retrouver de la viande de cheval déguisée en bœuf. On procède à ce type de test dans les structures à plus haut risque. Ce sont les entreprises qui s'occupent de viande coupée en petits morceaux. Concrètement, celles qui fabriquent de la saucisse et de la viande hachée. Le vétérinaire demande les papiers d'un animal issu d'un lot, toujours de façon aléatoire. Toutes les informations, comme la marque auriculaire et le passeport, sont disponibles, y compris le bilan sanitaire. Son travail est terminé pour aujourd'hui.
Les deux piliers du système, ce sont donc les contrôles aléatoires et l'autocontrôle. Dans ce contexte, découvrir des activités criminelles relève souvent du hasard. Ce constat vaut aussi pour l'instance qui intervient en aval de la chaîne. Les contrôleurs de denrées alimentaires qui inspectent les commerces et la restauration. Nous avons rencontré Anya Titos et Manfred Voller de la Fédération des contrôleurs de denrées alimentaires. Ils se battent pour qu'on augmente leurs effectifs, actuellement insuffisants. Et ils déplorent des contrôles inadaptés à l'ère moderne. Les flots de marchandises sont devenus plus complexes. Aujourd'hui, ils sont mondiaux et les contrôles ont lieu au niveau local, ce qui est normal. Le problème, c'est qu'au-delà des frontières administratives de la ville ou de l'arrondissement, les autorités de contrôle locales ne sont plus compétentes. Ce fonctionnement conduit à des pertes d'informations parce qu'on n'a pas encore mis en place de système d'échange de données. Entre les strates fédérales, régionales et locales, les données ne sont pas transparentes. Conséquence, il arrive que la viande ne soit pas contrôlée avant d'arriver au supermarché. Mais on tombe aussi parfois dans l'excès inverse. Il est tout à fait possible qu'en un seul jour, un même produit soit analysé 3, 4, 5 fois sur le territoire. Et là, on peut s'interroger sur le bien fondé de la démarche. Et les inspecteurs ne communiquent pas du tout entre eux. Il faut bien le dire. On ne peut pas savoir quand tel produit a déjà été retiré dans 3 lenders et plusieurs arrondissements. Qu'en disent les politiques ? Réponse du ministère allemand de l'Agriculture. La responsabilité première pour la sécurité et la qualité des produits alimentaires incombe, selon la réglementation européenne, aux chefs d'entreprise. En clair, les responsables politiques parient eux aussi sur l'autosurveillance. Chaque entreprise se repose sur ses fournisseurs et les tests qu'ils ont effectués. Le scandale de la viande de cheval n'a rien changé. Mais la filière a-t-elle renforcé ses contrôles sur le cheval ? Ce n'est pas facile de le savoir, parce que chaque entreprise effectue ses contrôles aléatoires selon une approche fondée sur les risques, et celle-ci varie d'une structure commerciale à l'autre. Dans l'ensemble, on peut tout de même dire que les entreprises effectuent environ 75 000 analyses de laboratoire par an. Le chiffre semble élevé. En réalité, il signifie que la majeure partie des produits arrivent dans le commerce sans être testés. En résumé, les autorités sanitaires font des contrôles aléatoires pour tester l'autocontrôle des entreprises. Et chaque opérateur de la chaîne se repose sur son fournisseur. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Il faut toujours un premier cas avant de pouvoir s'adapter, ce qui fait que le fraudeur a toujours l'avantage sur le contrôleur, et à mon avis, on ne pourra jamais combler complètement ce temps de retard. Au cours de cette enquête, nous avons parcouru 70 000 km pour aboutir à la conclusion qu'il est illusoire de vouloir connaître la provenance de la viande. Nous produisons à une telle échelle que des indications détaillées sont impossibles. D'ailleurs, ni les politiques ni l'industrie ne le souhaitent. Et le consommateur, est-il responsable des fraudes parce qu'il achète souvent le moins cher et ne regarde pas la provenance ? Le consommateur n'est pas en cause. Si l'industrie veut augmenter ses marges au maximum et que les sociétés choisissent pour chaque étape de la production de viande le pays le moins cher, elles doivent prendre leurs responsabilités et indiquer au consommateur chacune de ces étapes. Au final, le consommateur n'a aucune prise sur la production de viande. Nous sommes étrangers au processus de fabrication. Mais en tant que client, nous avons un pouvoir. Nous pouvons demander d'où vient la viande que nous achetons. Et lorsque nous nous soucierons vraiment de sa provenance, nous pourrons enfin influencer le circuit de la viande.